Quand on pense à la compétence déchets du pays de Meaux, on pense bien sûr au ramassage des ordures et déchets, mais cela va bien au-delà, avec les nombreux traitements de ces déchets. Tout commence chez vous, par un tri responsable. Poubelles de tri, poubelles d'ordures ménagères, bio-seaux pour les biodéchets et sacs pour les déchets verts. Ensuite, le pays de Meaux se charge de la collecte, soit dans des bacs roulants, soit dans des points d'apport volontaires de grand volume. Pour le verre et le textile, le pays de Meaux met à disposition de nombreuses bornes. Une partie de la collecte est assurée en régie par les agents de l'agglomération. Pour compléter ce service, le pays de Meaux est soutenu par des prestataires pour la collecte des ordures ménagères, la collecte sélective et le textile. Pour vos encombrants et autres objets, plusieurs solutions s'offrent à vous. Pensez d'abord aux ressourceries pour tout ce qui est en bon état, ainsi qu'aux sites de dons ou ventes entre particuliers. Le saviez-vous? Les distributeurs doivent proposer une solution de reprise gratuite un pour un, c'est-à-dire reprendre ou faire reprendre gratuitement un appareil usagé lors de l'achat d'un appareil neuf du même type, y compris dans le cas de la vente à distance. Ce service est payé grâce à l'éco-participation. N'hésitez pas à vous renseigner lors de l'achat d'un équipement, même en ligne. Pour vos encombrants en mauvais état, privilégiez la dépose en déchetterie où ils seront triés et valorisés. En dernier recours, le pays de Meaux propose un service de ramassage des encombrants sur rendez-vous à prendre directement sur le site internet. Le pays de Meaux a délégué la compétence traitement au SMITOM Nord-Seine-et-Marne ainsi que la gestion des déchetteries. Ainsi, les emballages et papiers sont triés par matière puis revendus pour être recyclés. Les déchets verts sont broyés et revendus aux agriculteurs locaux. Les déchetteries revendent les différentes matières afin qu'elles soient valorisées. Les ordures ménagères résiduelles sont incinérées pour une valorisation énergétique. Le pays de Meaux tire le meilleur parti de vos efforts de tri. La maîtrise des coûts du service est avant tout entre vos mains. Un tri efficace des déchets permet de réduire les coûts de mise en incinération et d'augmenter les recettes issues du recyclage des matières. La réparation, le réemploi et la valorisation permettent également de développer le tissu économique local avec le développement d'activités à destination de différents publics. Une meilleure gestion des déchets, c'est avant tout un geste pour la planète. On économise les ressources naturelles et on limite les pollutions liées à la fabrication, au transport et au traitement en fin de vie. Le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas. Sans votre coopération, rien ne serait possible.